Salut à tous, c'est Jeanne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire la deuxième partie du refuge. Ça veut dire créer le refuge. Alors, c'est parti. Alors, là, on va faire... ça veut dire le refuge, ici. Alors, je fais la première petite base et après... Enfin, je fais la première et la deuxième, c'est-à-dire il y aura deux étages. Enfin, un étage. Et je vous reprends après. Alors, c'est parti. Alors là, j'ai fait la plateforme. Et en bas, j'ai fait ce petit coin pour mettre la porte ici. Et là, c'est-à-dire je vais faire la terrasse. La terrasse et le toit. Alors, on se retrouve après. Alors, là, j'ai fait la maison, comme ça. Maintenant, je vais mettre la couleur et les portes. Alors, c'est parti. Et les fenêtres. C'est parti. Alors là, j'ai mis les fenêtres et la porte. Enfin, les portes, parce que derrière, il y a aussi un endroit pour que les chiens ils aillent faire leurs petits besoins. Alors, là, on va continuer. Je vais mettre des plantes autour de la fenêtre, à l'extérieur, des petits bancs. Et je vous reprends après quand ce sera fini. Alors, c'est parti. Alors là, c'est bon. J'ai mis les bancs, les plantes. Là, j'ai mis un petit vélo. La poubelle. Derrière, là, j'ai mis une balle. Une balle en forme de chat pour les chiens. Et là, j'ai mis un bac à jouer pour les chiens. Et si vous n'avez pas vu, là, il y a une porte. Et il y a une porte pour les chiens. Alors, pour qu'ils passent. Maintenant, je vais faire tout l'intérieur et je vous présenterai après comme dans toutes mes autres vidéos. Alors, c'est parti. Alors là, j'ai terminé l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. Déjà, en bas, c'est comme ça. C'est rempli. Alors là, j'ai mis des gamelles, des animaux. Il y a un petit côté chat, mais enfin, ils pourront manger là. Là, j'ai mis des tapis un peu de la même couleur. Avec les gamelles, j'ai mis une petite lampe, des affiches. Là, c'est carrément un salon que pour les animaux, c'est-à-dire canapé pour animaux, cheminée pour pas qu'ils se refroidissent, table. Là, il y a des petites balles. Là, il y a un plumeau pour les chats. Là, il y a un bac pour les chiens et pour les chats. Alors, ici, c'est pour les animaux, pour les chiens, pour qu'ils dorment. Là, il y a un petit pour les petits animaux, encore un là. Là, il y a trois pour les grands. Là, il y a un jeu pour les chats. Encore un jouet pour les chats. Une plante. Quatre litières. Là, il y a des rideaux. Là, il y a encore un truc pour qu'ils se ratent. Là, il y a deux lits pour chat plus un petit au milieu. Là j'ai mis un tapis parce que ça fait plus propre. Là c'est le jardin, j'ai mis des jouets comme tout à l'heure, on n'avait pas vu. On va à l'étage. Là c'est la salle de bain pour les animaux parce qu'enfin elle va pas partager sa salle de bain avec les animaux, c'est un peu sale. Alors voilà, là c'est sa salle de bain. Là, c'est son mini-salon avec quand même des figurines des animaux. Là, il y a sa mini-cuisine qui n'est pas vraiment mini, mais moi, j'appelle ça une mini-cuisine avec des petites plantes que j'ai mis un peu partout, là. Et enfin, pour finir, la dernière pièce, c'est la chambre qui est très belle. Alors là, il y a la commode, le miroir, le tapis et le lit. Le truc qu'il faut dans toutes les maisons. Et aussi, là j'ai rajouté un tableau pour dire que c'est une sorte de refuge. Alors voilà. Et là c'est dans un quartier très grand. Alors c'est là où les animaux placent les animaux le plus. C'est-à-dire là on a juste à faire clic. Adopter et puis après on les adopte, ils viennent dans la maison.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous. Ciao!